chaussures. Tôt ou tard, on fera la surprise du rencard. Comme un scorpion glissé au fond de ta chaussure. Fera des putains de carnage jusqu'à la cinglinglin. Les abrutis qui n'ont rien compris, ils sont fidèles comme des chiens. Si ça donne la balle, baisse les oreilles, va chercher la babasse. Ils se rendent même pas compte de comment on leur parle. Je vois leur sac dans la glace quand ils se rasent avant de bosser. Avec leur sourire dégueulasse qui me donne envie de les maltraiter. J'en fais du délit, du faciès quand je vois des chemises bleu ciel. En faisant la queue à la caisse pour y claquer ma paye. J'ai pas une saloperie de cotard tatouée sur derrière. Le faux est moins dur comme la pierre, une calcaire dans des artères. Ici la France qui se couche tard. Le travail c'est la torture. Représente pour les flemmards tous au bord de la rupture. Horreur, salon, week-end, prison, malversation, facture, galère, fracture, misère, pognon, baston, humiliation. Ah dans la hiérarchie. Ça fait des tâches, ça claque la rage à chaque fois que chaque coup qui sort de nos bouches frappe de tout. C'est pas pour siffler sous la douche. Toujours présent quand il s'agit d'en mettre une couche. Du genre à triturer le problème en montant à la souche. On n'est pas des putains de rebelles, juste des hommes glucides. Crus comme un steak et toxiques comme un pesticide. Plutôt se faire immoler comme des bons à New Delhi que de mettre un seul pied dans leur garden party. Pour écrire mes diatribes, j'ai un grand besoin de drogue. Mais pour pourrir un Sciences Po, là bizarrement j'ai besoin de rien. On connaît le nom du mec qui voudrait qu'on nous confisque nos amplis, nos grandes gueules et nos consoles de mix. Tu comprends pas tout ce qu'on dit parce qu'on est des artistes. Avec le même ISDU qu'il y a dans terroristes. Comme des études.